السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد شاف خير زي La louange appartient à الله سبحانه وتعالى، ta'ala, le tout-puissant qui ne peut être empêché, le tout-puissant سبحانه وتعالى qui ne peut être vaincu. Il est al-hakim, le tout-sage, dont personne ne peut contester la sagesse. Tout l'univers est entre ses mains, subhanahu wa ta'ala, et les gens sont soumis à son autorité. Il fait ce qu'il veut et juge comme il le souhaite, subhanahu wa ta'ala. Nul ne peut empêcher ce qu'il donne, ni accorder ce qu'il retient. La soirée du 8 septembre 2023 restera à jamais gravée dans ma mémoire, réveillée en sursaut par des bruits assourdissants. Tout l'immeuble a été secoué par des vibrations d'une force inouïe, faisant trembler les murs comme s'ils allaient basculer. À ce moment précis, un sentiment d'impuissance totale m'a envahi, et ma réaction instinctive a été de proclamer la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers le takbir et le tahlil. Je n'avais d'autre choix à ce moment précis que d'endurer et d'attendre que ce qui avait été prédestiné se réalise. C'était ma première expérience d'un tremblement de terre et celui-ci était incroyablement puissant. J'avais l'impression d'être dans un château de cartes vacillant sur le point de s'effondrer. Si Allah subhanahu wa ta'ala m'a préservé ce soir-là et m'a permis de quitter l'immeuble sain et sauf sans réel dégât matériel mais je ne cesse de penser et d'invoquer en faveur des habitants de ces villages qui sont proches de l'épicentre, des villages qui ont été complètement détruits, privant leurs survivants de toits, d'eau et d'électricité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur vienne en aide, qu'il soulage leur détresse, pense leur plaies, accorde la guérison aux blessés et accorde son pardon et sa miséricorde aux nombreuses victimes. Les séismes font partie des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala le Tout-Puissant. En quelques instants, ils peuvent ébranler d'immenses étendues de terre et les précipiter vers leur destruction. Aucune puissance sur terre, aussi colossale soit-elle, ne peut les empêcher ou les repousser. Ces signes d'Allah subhanahu wa ta'ala sont des messages puissants destinés aux insouciants. Ces signes d'Allah subhanahu wa ta'ala sont un ultimatum pour ceux qui ont négligé leurs devoirs envers leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. C'est un rappel pour ceux qui ont fait de cette vie d'ici-bas et de ses richesses leur principale préoccupation et leur objectif ultime. Éblouis par les plaisirs de la vie mondaine, ils pensent que le succès réside dans l'accumulation des richesses, que le bonheur se trouve dans la satisfaction de tous leurs désirs, que le pouvoir se mesure à la notoriété sur les réseaux sociaux ou au nombre de followers. La réalité de cette vie d'ici bas, la réalité de cette vie trompeuse est bien différente. Sa beauté n'est qu'éphémère. Cette vie d'ici bas apporte à la fois joie et tristesse, tranquillité et souci. En quelques secondes de cette vie terrestre, l'on peut passer de la vie à la mort, de la richesse à la pauvreté, du bonheur au malheur, de l'enfance à l'orphelinat, de la vie conjugale à la vie de veuvage, de la bonne santé à la maladie. Allah subhanahu wa taala dit: قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Dieu et, 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 et Dis, oh Allah, souverain suprême. Tu donnes le pouvoir à qui tu veux, et tu retires le pouvoir à qui tu veux. Tu donnes la puissance à qui tu veux, et tu avilis qui tu veux. Le bien est dans ta main, et tu es capable de toute chose. Lorsque tu te trouves piégé chez toi, secoué par des tremblements d'une violence inimaginable, mettant en péril ce que tu as mis des années à bâtir, à ce moment-là, seul Allah subhanahu wa ta'ala peut être ton sauveur. Sois certain, que ni ton argent, ni ta renommée, ni ton pouvoir, ni tes suiveurs ne pourront te secourir. Alors pourquoi n'adores tu pas Allah comme il te le demande? Pourquoi lui désobéis tu alors qu'il t'a mis en garde? Et pourquoi t'attaches tu tant à cette vie terrestre qui est aussi fragile qu'une toile d'araignée? La véritable demeure est celle de l'au-delà, la demeure éternelle, celle qui ne trompe pas celle qui ne chancelle pas, celle qui ne te réserve aucune mauvaise surprise, celle pour laquelle ton investissement ne peut être que fructueux, celle où tu découvriras ce que tes yeux n'ont jamais vu, ce que ton ouïe n'a jamais perçu, ce que ton cœur n'a jamais ressenti et ce qui n'a jamais traversé ton esprit. Les tremblements de terre sont des signes évidents d'Allah, subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant à travers lesquels il suscite la crainte de ses serviteurs, afin qu'ils reviennent repentants vers lui. Il dit à Zawajel Nous n'en voyons de signes que pour susciter la crainte. Quand la terre tremble sous nos pieds, que les secousses font osciller murs et fondations, la peur et l'angoisse nous envahissent, tout en sachant que cela a été la cause du châtiment, et de l'extinction de certaines sociétés. Celui qui médite et réfléchit aux textes qui évoquent les tremblements de terre dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, se rendra compte que l'une de leurs leçons est la mise en garde du Seigneur de tous les mondes. Allah subhanahu wa ta'ala a détruit des peuples par des tremblements de terre. Il a dit en parlant du peuple de Shuayb et de Salih alayhim un cataclysme dont un tremblement de terre les saisit et tous gisaient ensuite dans leur demeure face contre terre. Les tremblements de terre nous rappellent avec force un bienfait primordial dont nous jouissons à chaque instant et pour lequel, malheureusement, nous ne prêtons pas attention.

Qui a fait de la terre un lieu d'établissement, qu'il a sillonné de rivières et y a placé des montagnes fermement ancrées, ainsi qu'une barrière entre les deux mers Est-il un autre Dieu en dehors d'Allah C'est-à-dire, réalisant cela et méritant l'adoration Et il dit par Allah, nous vous avons établi sur terre et vous y avons accordé de quoi vivre, mais vous êtes peu reconnaissant. Al-Imam Allah, a dit en parlant de ce bienfait de vivre à la surface d'une terre stable il dit, une terre stable, ne vacillant ni ne se mouvant avec ses habitants, ni ne tremblant sur eux, sous eux, car s'il en était ainsi, la vie n'y serait pas paisible. Au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa grâce et sa miséricorde, a fait de cette terre comme un tapis solide qui ne tremble pas ni ne se déplace. Les tremblements de terre et les séismes peuvent être des épreuves à travers lesquels Allah subhanahu wa ta'ala absout les péchés de ses serviteurs et élève leur degré. Il dit Azza wa Jal: "Wa lanabluwannakum bishay'in min al-khawfi wal-jū'i wa naqsin min al-amwāli wal-anfusi wath-thamarāt. Wa bashshir as Par Allah, nous vous éprouverons quelque peu par la peur, la faim, la perte de biens, de personnes et de récoltes. Mais fait la bonne annonce aux patients. Les tremblements de terre peuvent être également un châtiment qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait abattre sur les désobéissants. Il dit Azza wa Jal, وَمَا أصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vous avez commis comme péché et il en pardonne beaucoup. Il dit Azza wa Jal, la corruption est apparue en terre et en mer en raison de ce que les hommes ont commis comme péché afin qu'Allah leur fasse goûter le châtiment d'une partie, d'une partie de ce qu'ils ont commis et afin qu'ils reviennent. Il dit à Zawajel, Êtes-vous êtes à l'abri du fait que celui qui est au ciel vous fasse engloutir par la terre qui se met alors à trembler? Les tremblements de terre, mes frères et sœurs, doivent nous rappeler et susciter en nous la crainte de l'effrayant et gigantesque tremblement de terre qui secouera la terre lors de l'arrivée de l'heure. Il dit اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبه خافضه رافعه اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بس فكانت هباء منثثا lorsque le jour inéluctable surviendra et son avènement inexorable il abaissera les uns et élèvera les autres lorsque la terre sera violemment secouée Que les montagnes seront pulvérisées et réduites en poussière éparse. Un tremblement immense dont Allah nous parle dans al Le jour où trembleront la terre et les montagnes qui seront réduites à des dunes de sable mouvant. Si les tremblements de terre suscite autant d'émoi, autant d'effroi, de peur, de scènes d'apocalypse et de destruction, que dire de ce tremblement phénoménal qui précédera l'heure. Car ce jour là, ce n'est pas une infime partie de la terre qui sera secouée, mais bel et bien la terre dans son entièreté. Aucune parcelle n'en sera épargnée. Il dira <inaudible> Lorsque la terre sera secouée par le plus violent séisme qui annoncera l'avènement de l'heure, que la terre rejettera les fardeaux qu'elle porte en elle, à savoir les morts et les métaux précieux, et que l'homme dira qu'à tel. Et dans les effrayants versets de Surat al-Hajj, Allah subhanahu wa ta'ala nous exhorte إيكزورت لونسومبل دو لومانيتي، عز وجل: يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. او ام كريني فوتر Car le séisme précédant l'heure sera une chose terrible. Le jour où vous y assisterez, toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait, et toute femme enceinte avortera de ce qu'elle portait. Les hommes sembleront ivres alors qu'ils ne le sont pas, car le châtiment d'Allah sera sévère. La multiplication des séismes et tremblements de terre est un signe de l'arrivée de l'heure. Comme l'a informé le prophète alayhi dans le hadith authentique rapporté par Al-Bukhari, selon Abu Hurayra radiyallahu anhu dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La hatta al wa takthura L'heure ne viendra pas jusqu'à ce que la science soit ôtée et que les tremblements de terre se multiplient. » Les séismes montrent la grandeur du pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala, car il est capable de tout, Azzawajal. Et lorsqu'il désire une chose, il dit simplement « soit et cela devient. Allah azawajel dit « Qul huwa al ala an yab'atha alaykum azabam min fawqikum au min arjulikum »« Dis, dis au Muhammad, il a le pouvoir, c'est-à-dire Allah azawajel de vous frapper d'un châtiment qui descendra du ciel ou surgira de sous vos pieds. Akbar. Il est recommandé, lorsqu'il y a des tremblements de terre et d'autres signes puissants, de faire preuve d'humilité devant la grandeur et la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est recommandé, en ces moments, de se repentir à Allah Azzawajal, de cesser de commettre des péchés, de demander et de proclamer et d'implorer le pardon d'Allah subhanahu wa taala, de l'invoquer avec insistance par la prière, par les adhkar, par la charité et par d'autres moyens et invocations et adorations par lesquels le châtiment et la colère d'Allah subhanahu wa taala peuvent être évités. Allah Azzawajal dit en parlant de peuples qui l a châtié ja'ahum si seulement elle nous avait imploré lorsque survient notre châtiment, mais leur cœur s'était endurci et Satan leur avait enjolivé leurs agissements. Allah subhanahu wa montre donc à ses serviteurs des signes pour qu'ils réfléchissent et se repentent. Ainsi, le bienheureux. Est celui qui se réveille prend conscience et se repent, tandis que le malheureux est celui qui néglige ses signes, et persiste dans le péché, sans tirer profit des avertissements. Allah a averti ceux qui n'apprennent pas des épreuves, et pour qui les calamités n'ont pas d'effet, pour les pousser à se repentir de leurs péchés. Il les a avertis, subhanahu wa ta'ala.

وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. الله نوزافون انفويي des messagers aux communautés avant toi. Nous les avons frappés par la misère et la maladie afin qu'ils nous implorent. Si seulement elles nous avaient imploré lorsque survint notre châtiment, mais les cœurs s'étaient endurcis et Satan leur avait enjolivé leurs agissements. Puis, lorsqu'ils se détournèrent de ce que, de ce qu'on leur avait rappelé, nous leur ouvrîmes les portes de ce bas monde, et alors qu'ils exultaient de ce qui leur avait été donné, nous les saisissâmes soudainement, les laissant totalement désespérés. Et pour terminer, j'appelle ma personne et vous même à faire preuve de solidarité et de générosité afin de venir en aide aux sinistrés de ce séisme, car les besoins sont réels, mais ils sont surtout colossaux. Aidez comme vous le pouvez en apportant votre aide financière, votre aide physique, votre aide logistique. Aidez-les par des dons de sang et par des invocations à Allah subhanahu wa ta'ala le Tout-Puissant. Allahumma raham wa jbur kasrana wa ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ruddana ilayka raddan jamila ya wal ikram.

وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته